C'est sous le haut patronage du ministre d'État, Pacom Moubele Boubeya, que le village Banga a abrité la cérémonie d'ouverture de la première édition du championnat dénommé Coupe Jean Massima, qui a connu une grande ambiance dans le deuxième siège de la Lolo Bouenguidi. En présence du numéro 1 de la province, du député du deuxième siège, du parrain de cette coupe et des autres autorités de la province, le chef de canton Bouenguidi Mwalo Mwalo Onoy Moussondi, qui a ouvert la cérémonie en donnant des bénédictions aux joueurs. Donc, bébé, qui peut le dire? Avamoudi Yungouve, Aoumouyango, Wabara, toujours tous les deux cantons. Waperde, toujours tous les deux cantons. Avamoudi Yende, Melo, beaucoup, beaucoup. Le représentant de la famille Jean Massima, très touché par l'honneur qui les a été offert, a remercié le parrain pour son geste. C'est vraiment avec beaucoup de pincées sur le cœur que je donne un peu de temps au nom de la famille, que je représente modestement ici. Pour les équipes, vraiment fair play, comme l'a si bien dit le chef canton, on veut voir du beau jeu, comme vous savez le faire sur la route du village. Cette convivialité, cette fraternité, il faut la démontrer devant tous ceux qui sont devant nous, leur montrer qu'on est un et pas plusieurs. Marie-Hélène Malenga, députée du deuxième siège de la Lolo Bouenguidi, au nom des populations, a tenu à transmettre toute la reconnaissance aux parrains. Je tiens à vous transmettre toute la reconnaissance de nos populations. En effet, ce tournoi qui va se dérouler sous votre haut patronage est une énième preuve de votre attachement aux valeurs prônées par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui œuvre inlassablement pour l'épanouissement de notre jeunesse. Le parrain du championnat Jean Massima, Pacom Moubele Boubeya, a tout simplement remercié le chef de l'État qui leur demande d'être au contact de population. Sur les très hautes instructions, très éclairées, de son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, et sous la haute autorité bienveillante de Madame Rose Christiane Soukara-Panda, qui nous demande d'être au contact des populations dans leur proximité pour que nous puissions leur rapporter ce que nous voyons, ce que nous entendons, et surtout pour que nous puissions tout mettre en œuvre pour que nous renforcions la collectivité, la fraternité entre nous et entre les populations. C'est pendant 15 jours de compétition que les athlètes vont s'affronter pour obtenir la meilleure place.